إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله نحن نكونتني أبي بريسون صلاة تطوع من دمنا به صلاة الليل، صلاة التهجد، صلاة الظهر، صلاة التراويح، صلاة سيئة، أنسل صلاة قدر العمين. على زوجي نقول premièrement صلاة à chaque fois qu'il rentrait et nous sortit, nous rentre la case ou bien nous sortit depuis la case. من الحديث قد المفيد صلى الله عليه وسلم يجيء إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. فتغنط لك في هذه ركعة سابقا مفيس توعد النمو بغنطيك فتصوتي في ركعة ça vous produit une histoire contente, un mauvais sauti. Donc ça c'est un hadith qui lui enseigne à chaque fois qu'il vient dans la case et à chaque fois qu'il vous sauti depuis la case, il vient de la case. Est-ce que les sunna ou bien non, alors les boubas, l'authenticité de ce hadith-là, est-ce que le hadith-là est authentique ou bien non? Alors venez là, si bien ça, on se parle pas là-bas, فينا سنتين في ديال يوتانجي فينا سنتين ديالون اللي نابا يوتانجي اي سويت ا سا دي بيزونس لا فينا بان كي ديال يوتانجي جو دي سي تان سنن بان كي ديال با يوتانجي جو دي سيلي كي فيا سا ديك سان انتونسيونال بين البدعة عندي موسي اللي بي فادي راكا سون كي وديا لي بي ليميتي اي مو سبيسيفيك اللي بي فادي راكا اي كان ما ميسي بي فادي راكا Le prophète ne recommande ni ça, mais en vérité, le mot pas ne recommande ni. Là, il met donc dans le bid'a. Alors, à chaque fois, rentre la case, fait des rakat, ou bien à chaque fois qu'il sortit depuis la case, fait des rakat, et là, ça va dire les sunnah, et là, ça va dire les bid'a. Alors, nous avons un savant qui met considérer ce hadith-là dans la catégorie acceptable, Ibn Hajar, As-Suyuti, Ibn Arab, Cheikh Albani, Rahimahullah. Alors ça c'est pas savant qui dit à l'authentique et alors les sunnah. Tandis que finina certaines autres qui disent que il n'a pas authentique, parmi finina al-mu'allimi, les finitia qui s'ahalida, il n'a pas authentique, Cheikh Ruthaymin aussi dit qu'il n'a pas authentique, et basan l'oula, Cheikh Ruthaymin dit à l'arada in ta'abba d'illah, bi salat raka'atay, kullama dakhala baytahu, la kulna hada bid'a. C'est un djibun, il fait des sifir. عبادة الله عشان فوق اللي بصور شيء في الأكاز اللي مبادر أكاد بمجيء ساسدا أن بدعة بمجيء ساسدا أن بدعة ألو سا كما جاء الحديث كم سا سنتمون لينا سا كونيسانس لا بولي فين ريشيس بولي كونيس كي عادي تاوتانتي بو بيانو ألو لي فيها سو ريشيس Si le trouvé l'authentique, il est en pratique. Si le trouvé n'est pas authentique, il est apparu en pratique. S'il si a sa connaissance là, pourquoi sa recherche là? S'il trouve, il n'a pas à la hauteur pour faire sa recherche là, il fait sa connaissance là, pour connaître ce qui est authentique ou bien non, là, il fait taqlid. Il fait taqlid, veut dire, il suit un alim qui, comment dire, il a plus confiance pour lui dans sa connaissance hadith. Par exemple, un témoin de Troki, Ibn Hajar, sa connaissance hadith, il plus. Nous faisons plus confiance. Alors, dans la côté de la divergence, il fait taqlid Ibn Hajar dans sa mas'ala, concernant l'authenticité de sa hadith. Rien de dire non, c'est pas Cheikh Albani. Il a plus confiance de Cheikh Albani. Il fait taqlid de Cheikh Albani dans sa mas'ala. Et ça, on va tout le temps nous dire. L'exemple, la divergence, pareil. Alors, pour la raison, il met ça dans ce livre. Qui fait un point de sagesse, c'est qui tout le temps, ben Ali, vous avez erré. Tout le temps, ben Ali, vous avez erré. Par exemple, quand vous dites là, un côté est là, Ibn Hajar, As-Suyuti, Ibn Arab, Cheikh Albani, Cheikh Bazmoul, le tempo est authentique.
Baisi juga al-muallimi aku kumapele Zakaria Edwina Syekh Uthami il n'y a pas authentique. Hadith là n'est pas capable authentique et il n'est pas authentique en même temps. Il n'est pas capable, il est authentique et en même temps il n'est pas authentique. Soit il est authentique, soit il n'est pas. Soit il n'est pas authentique. Alors là là là, obligatoirement, soit que Cheikh Albani peut faire rire, soit que Cheikh Uthami peut faire. Soit qui Ibn Hajar peut faire rire, soit qui Al-Mu'allimi peut faire rire. Il n'est pas capable de dire non, tous les deux peuvent faire rire. Qui s'en a ça Ibn Hajar? Qui s'en a ça Al-Mu'allimi? Qui s'en a ça Cheikh Al-Bani? Qui s'en a ça Cheikh Uthaymi? Un grand, grand savant. Un grand, grand savant. Mais je vous bizarre peut faire rire. Je vous bizarre peut faire rire. Parce qu'Allah a fait une décrète comme ça. Après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas pour être un djimoun aussi. Il est convaincu tout ce qu'il peut dire pour dire correct. Tout ce qu'il peut dire, les bourgeois pour dire en conformité avec ce Coran et Hadith. Il y a plus grand alim qui convaincu les bourgeois peut faire erreur. Les bourgeois fait erreur. Nous n'avons pas gagné quoi suivre un djimoun dans son erreur. Nous pas gagné quoi faire tarder un djimoun dans son erreur. Mais si nous n'avons pas la connaissance, ou bien il n'a pas à la hauteur, il n'a pas à sa niveau de connaissance-là pour la connaissance des hadiths, alors dans sa circonstance-là, nous faisons taqlid. Et quand nous faisons taqlid, tout le temps nous pratiquons dans sa façon-là. Inch'Allah, l'authentique, peut-être qu'il y a une possibilité, celui qui peut dire le contraire, c'est celui qui est là, c'est celui qui est là, raison. Et ça, tout le temps, vous faites un niveau de pratique sur l'islam avec une certaine humilité. Une divergence pareille. Les beaux et un djimoun pratiquent sur l'islam avec humilité qui fait parce qu'il y connaît peut-être qu'on peut rire là-dedans la main, peut-être qu'on peut rire. Alors qu'un djimoun il peut enseigner, il peut pratiquer et il peut connaître, peut-être qu'il y a un rire. Et parce que peut-être qu'il y a un rire obligatoirement dans tout ce qu'il peut enseigner, obligé d'un rire, mais là, obligé d'un rire, obligé d'un rire. Alors un djimoun quand il peut connaître, ce qu'il peut enseigner, il a erré là-dedans, il n'y a pas un djimoun qui est arrogant. Il n'y a pas un djimoun qui est dans l'humilité dans lui. Alors, ça, c'est une chose qui est importante pour comprendre. Parce que quand un djimoun ne comprend pas ça, il a une cause mauvaise ou un alim. Ça, un alim là, qui se le connaît, ou bien ça, un alim là, non. Alim, même façon de parler, c'est ceux qui peuvent soigner l'islam, c'est ceux qui peuvent garder l'islam, ils vont pas bien, ils sont Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait décret qui plus grand alim, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Bakr, qui est Omar, qui est Uthman, qui est Ali, radiallahu anhu, tout est verré dans l'île. Mais la personne qui ne croyait pas le verré, ça c'est un plus grand sahaba, après ce tabi'in, après ce grand imam, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad, il verrait, il verrait, obligatoirement il verrait. Après ce grand alim qui fait mini, après féminin Ibn Taymiyyah, il fait rien, ma verre. Obligatoirement, il fait rien. Après ce Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il fait rien, ma verre. Obligatoirement, il fait rien. Après ce féminin, Cheikh Bimba, Cheikh Moussabin, Cheikh Albani, il fait rien, ma verre. Obligatoirement, il fait rien. Alors, ça, c'est dire une sagesse. Allah Ta'ala fait une prépare, son dit, on va dire dans sa façon-là, il y a une sagesse là-dedans. Pour qui tout le temps nous fait recherche, pour qui met la humilité dans nous, et aussi pour qu'un djimoun connaisse valer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les connaît qui concernent l'île, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dire aucun erreur. Quant à nous, et nous allons aller obligatoirement pour dire, fait mes affaires erreurs. Alors, pour le dire, ça c'est un hadith. Hadith là, et là, certains médias authentiques, certains médias pas authentiques. Il y a une grosse discussion. Alors là, au contraire, il y a un savant qui vient écrire assez longuement là, et il vient avec sa conclusion là, qui a dit là, il y a une catégorie acceptable qui fait, parce qu'il y a à peu près 7 hadiths faibles. 7 hadiths faibles. Qui peut enseigner faire salat à chaque fois en désordi. Il y a 7 hadiths faibles qui peut enseigner faire salat dans la case, dans son dit. Alors je veux dire, ça 7 hadiths faibles là, quand nous considérons avec 5 hadiths là,
Alors, comment dire, il donne la force, sa hadith qui va nous la mafie, nous dit, est-ce qu'il est authentique ou pas authentique? Alors, il ne supportait pas plusieurs hadiths qui ont une certaine faiblesse dans une chaîne de narration. Et ça, il y a une autre explication. Qui va nous hadith faible qui, comment dire, aide pour renforcer l'authenticité du hadith? Qui va nous hadith faible qui est impossible? Et pour renforcer l'authenticité du hadith, ça dans l'imam Yannut, dans l'explication. Alors, elle parmi, c'est Aïcha, radiallahu anha, disait « Ma kharaja Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, min indi qab, illa salla rak'atayn » Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne sortit depuis comme moi, excepté qu'il, avant de sortir, il fait des rak'ats. Ça, c'est un hadith qui n'est pas authentique, mais il peut rentrer sorti comme ça même. Mais là, un hadith, صلاة الأوابين وصلاة الأبرار ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت لصلاة من أواب في غيتون بها الله سبحانه التوبة بل من صلاة من فيه سي أشاك فرز الكونتركات فديرك إلا أشاك فرز الكونتركات فديرك أشاك فرز الصوت اللي بلاكا زون فيه دي بلاكا ألو سي أنتبه بازان لولا qui finit là, c'est un ensemble de dire à l'Italie, l'authentique, alors qu'on dit, Allah Ta'ala, A'lam, si un dimon il trouve qu'il y a l'Italie authentique, il fait en pratique, celui qui le trouve, il n'est pas authentique, il va mettre en pratique, celui qui est en confusion, il va me coller, les suivre, A'lam, qui va dire, il a plus confiance, l'eau. Ça, c'est une bonne explication. Deuxième explication, c'est, Salat, Tahiyyatul Wudu. صلاة تحية الوضوء الإسلام من أصله أشك فاكن بوضوء في هذه الركعات أشك فاكن بوضوء في هذه الركعات على طول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجي من توضع فأحسن وضوءا ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه سلوك في وضوء اللي فاسو وضوء بيان الوزو، ensuite les divers وزو bien، ثم صلى ركعتين، ensuite les fait des ركعات، لا يسهو فيهما، donc les fait des ركعات qui comment dire، il n'a pas fait une absent minded، il n'a pas comment dire، il perd du concentration dans sa salat، non، il est toujours là dans sa des ركعات، il fait des ركعات et qui comment dire، il fait avec concentration، celui qui fait وضو. Il fait des rakats, il fait ça des rakats avec concentration. Ghafar Allah ma taqaddama min dhanbi, Allah pardonne sur le péché qu'il fait dans le passé. Ça c'est un hadith. Le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma salla rak'atayn, yukmilu alayhima bi qalbihi wa wajhihi, wajabat lahu al-jannah. Celui qui fait wudu, il fait ce wudu bien, il fait ce wazu bien, et ensuite il fait des rakats. Il fait aller, comme on dit, avec son équerre, avec son visage, je veux dire. Il concentre avec son équerre et qui, comme on dit, son visage aussi, l'incliné vers Allah subhanahu wa ta'ala, je veux dire, son intérieur, son extérieur, il veut faire le salat, comme on dit, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat lahu al-jannah, jannah bin obligatoire, mouli, jannah bin obligatoire, l'osa, l'osa, jimunna. Un troisième hadith. محمد صلى الله عليه وسلم يجيب فإن هو قام فصلى وحمد الله وأثنى عليه ومجد بالذي وأهله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه يديبون يقول في وضوء يديبون في صلاة يفعلوز الله يفعلوز الله يبلغي في الله ce qui a la vérité et il tient toute chose qu'il a dans son équerre, il est concentré dans son salat, dans son salat, il n'a pas fait penser ici, il n'a pas fait penser là-bas, il tient toute chose, il débute son équerre, et puis toute chose, il fait des rakats, sincèrement, pour Allah, il est concentré dans sa rakat là. Et les mots fait dire, les qualités de sa salat là, les comment dire, un djibun qui astéra, ce maman finit de naissance, c'est astéra qui finit de naissance, veut dire, tout ce péché, les graines.
أقول لك أبو هريرة رضي الله عنه جيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. اللي فجر اللي صلاة فجر النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال أو بلال جاءوا كي أكشنتوا فيها كي C'est sa même action qui te fait plus grand l'espoir, Allah. Elle te fait conseiller ça. C'est sa même plus grande action qui te fait veiller. Qu'Allah vous récompense, toi, pour ça. Dis-moi, qui est cette action qui te fait veiller? Tu as un grand espoir, Allah. Et je pense que quand on rentre dans la Jannah, on donne son tout pas par devant moi. On donne son tout pas par devant moi. Alors, Bilal, radi Allah, il dit: Ma amiltu amalan arja indi. أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. إذا أكشن كي كما تيا من الإسبوار من أفس الإسبوار لولا سكي نبود كم في وضو لي بندالا نيت بيا لي بندالا جوني نبود كم في وضو Pendant la nuit ou bien la journée, on fait la salade quand tu dis qu'Allah t'a fait l'écrire pour nous, ou pour faire la salade quand tu dis qu'Allah t'a fait l'écrit pour nous, pour faire. Alors, ce hadith a demandé de valer sa ibadat là. Valer sa ibadat là, à travers sa ibadat là, faire la salade après chaque boudou. Faire de la carte après chaque boudou. Bilal رضي الله عنه للقد كان يريكوبانس يانبو vivant dans dunya sont pas et sont pas ils finiront dans la jannah sont pas ils finiront dans la jannah définitivement celui qui sont pas ils finiront dans la jannah alors inchallah lui s'il finira dans il finira dans la jannah qu'il fait sa ibadat là à chaque fois qu'il fait wudu il fait salat à chaque fois qu'il fait wudu il fait salat ce hadith là En comparaison avec le deuxième hadith qui nous cite, il y a une différence. Qui trouve sa différence? Le premier hadith qui nous cite concernant Tahiyyat al-Wudu, faire salat à Wudu, et que ça le hadith Bilal. C'est vraiment une différence. Ouais, c'est bien. Récompense à Ibadat quand vous allez continuellement. Non, il y a une autre différence. D'abord, le premier hadith, il fait mention rak'atayn, des rak'at. Tandis que le hadith Bilal, qui veut dire, il dit, n'importe quand on fait wudu, on fait qu'aider quand tu dis rak'at, qui a l'un des prêts pour faire. Alors, passons-nous là, on est capable de dire que تحية الوضوء لدي ركعات سنو ببعي دابا الموما قد كما جي أبري عصر كمسا وبيبا اللي اكي عم بيجي نو ما في بسكي دي ركعات مي سنو دا ان موما قد لي با عم بيجي في الصلاة الو تحية الوضوء نو كابا في اني كانت دي ركعات نو لي نو كابا في اني كانت دي ركعات كي نو لي كم بازان الحديث دي Bilal, radiyallahu anhu, quand je vais faire wudu, avec sa wudu là, je vais faire quand je dis la carte qui lit, qui veut dire Allah a fait l'écrire pour lui faire, il fait quand je dis la carte qui est capable. Il n'est pas limité à un nombre à quatre, basant le hadith. Bilal, radiyallahu anhu. Ça, c'est déjà l'explication. Voilà l'explication, pas autre, c'est tahiyyat al-masjid. تحية المسجد بجينا أشاك فاك نغان دا مسجد نفيع دي ركعة نفيع دي ركعة أولا ما الحديث دا صفاصلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس سلمي كي لنغان مسجد ألو كي لفيع دي ركعة أفان كي لياسيزي كي لفيع des rakat avant qu'il y ait ce métier, masjid, il y a une place qui, comment vous rentrez ou assisez. Non, on rentre dans masjid, il y a des rakat avant ou assisez.
البروفيت صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فكان بابجوك عند المسجد كي لنا با أسيزي جسكا كي لفير دي ركعة فودري با دي أسيزي أسي لونتا كي لبا فير لي با فير دي ركعة. alors le prophète dit أودل celui qui peut rentrer fait des ركعة. alors il empêche celui qui peut rentrer il empêche les assisés pas les assisés اللي بعد ركعة. الحديث رابطي أبو قتادة رضي الله عنه جيا دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ظهراني الناس. أبو قتادة جيا من عند مسجد البروفيت صلى الله عليه وسلم في السيف وإمام جمون وإمام صحابة فجلست من عند مسجد البروفيت في السيف الصحابة في السيف ونسزي أبو قتادة جيا ونسزي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس. البروفيت إجا أبو قتادة كي نمبيش با في هذه ركعة أفان تو أسزي لكي في تبا في هذه ركعة أفان تو أسزي. قال قلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس والناس جلوس. أبو قتادة جاء البروفيت من تروبو بيأسزي من جلو بيأسزي موسي من أسزي je ne pouvais déjà persister, quand je serai rentré, mon assisé. قال, إذا دخل أحدكم المسجد, فلا يجلس حتى يركع ركعتين. On peut dire, quand il n'y a pas de temps dans le masjid, il ne faudrait pas y assiser aussi longtemps qu'il va faire des rakats. Il n'a pas assisé aussi longtemps qu'il n'a pas fait des rakats. Alors dans ce hadith, Abu Qatada, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam une réprimande. فيغيب المالي كيفية لنعسزي اللي بان فيها دي ركعات كيفية لنعسز لنغدى مازين لنعسزي صان اللي فيها دي ركعات. البروفيت صلى الله عليه وسلم يجيها إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجته. نبود كيسان نبوى مزود في المسجد كي نفيا دي ركعات أمام كي يعسزي. Ensuite, s'il y en a pour se yasser, ensuite, s'il y en a pour aller et pour faire certaines choses qu'il lui disait, il y allait. Alors, allez, t'as montré nous, peut-être que vous ne rentrez pas à ce dit, soit qui veut dire, il y a assez ou bien il y a aller, mais il fait des racades. Il fait des racades. Il veut dire, si le fait, il veut rentrer dans ma dit, ça veut dire, faire sa déracade-là, c'est-à-dire sa déracade-là, applique le lit. Demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire sa dirakata et applique l'eau lit. Alors, ça c'est un hadith. Bon, il y a un hadith qui vient enseigner faire salat avant assiser dans le masjid. Pas si on est dans le masjid, assiser. À ce terme-là, l'autre explication c'est soit qu'il nous fait dirakata avec l'intention de tahiyya du masjid, ensuite pour assiser, ou bien qu'il nous venait. Maintenant, pour faire sunna, maintenant pour faire sunna, nous rentrer à Zan et lui donner. Maintenant, pour faire sunna, nous faire sa sunna là, avec l'intention sunna et aussi guetter l'intention tahiyyatul masjid. Parce que l'objectif tahiyyatul masjid, c'est guetter, ou pas capable à rentrer dans masjid ou assiser. Ou pas capable pour rentrer dans masjid ou assiser. Ça demande qui. Il rentre dans ma zine, il fait un sunnat, après il fait assiser. Il rentre dans ma zine, il assiser la ligne. Non, il fait un salat. Alors, soit qu'il fait des rakats, tahiyyat du masjid, ou bien qu'il nous fait un sunnat avec l'intention de tahiyyat du masjid, ou bien qu'il rentre directement dans la faraz. Quand nous rentrons directement dans la faraz, alors ça aussi, il fait ça, tahiyyat du masjid là, tombé, parce que quand nous faisons faraz, définitivement, nous devons faire ces salats qui nous peuvent faire. كم اتفاق العربية السعودية إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد سنون بغا المسجد كي إقامة في الفيني دوني ألو سفراز كي لكبير ألي سفي كم تحية المسجد ألو لبين عم تجابي من غد مسجد ومن قال يدفع تحية المسجد نماز الفيني ديبون وفي غد نماز ألو أبقى نماز وقال تحية المسجد نو بين عم تفير بين عم تفير. Parce que
l'objectif d'achiller le masjid là, c'est qu'il dit, vous pas rendre un masjid ou assisi, faire salat. Alors celui qui l'inrande en faraz, l'inrande en faraz, l'inrande en faraz, l'inrande assisi, appelle ça qu'il fait salat, et ensuite il vient à assisi. L'autre explication c'est, d'achiller le masjid pendant khutbah. تحيه المسجد بعد خطبه سنجمون بيغان دا مسجد ديك خطبه فيني كومونسي لا افان غاد تاع اسبيكاسيون لا كومي كسوني امبورطانت هي سا فودري با انجمون دي غان سان مالاجي لا فودري با انجمون دي غان سان مالاجي دي خطبه فيني كومونسي استير دي بيبيني استير دي بيبيني اي ناجمون ويا با اكسبري Je vis le masjid en rideau, Jumma. Qui veut, moi je parle de maltraité. Je parle de maltraité. Je vis le masjid d'or, pour pas gagner. Pour pas gagner, il faut tout bas. Le pénalité qui ça, c'est un gros manquement. Nous tous avons besoin de bonnes rappels. Nous tous avons besoin de bonnes rappels. Un rappel qui veut rien, soit le manteau, soit le manteau, c'est le manteau. Mais l'idée de l'avantage, par exemple, il y a. Si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas manger un chapeau. Vraiment, vous ne mangez pas un chapeau. Un rappel est bon. Un rappel est bon. Vous pouvez faire un rappel, vous ne pouvez pas faire ça. Alhamdulillah, remercie Allah, vous ne pouvez pas tomber dans ça. Dans ça, là. Alors, il y a un petit monde qui m'a dit, je t'écoute trop de bas, je t'écoute trop de causerie, les sons. Avec un esprit, quoi, un bévise, moi. Ou bien un bévise qui s'en a là. Bévise, moi, ou un bévise qui s'en a là. Donc, les trouvent, voyez, vos slaves, ils sont allés sur la marée, ils comptent un peu de composer, ils comptent un peu de trou de bas. Je les trouve, vos slaves, ils sont allés arriver. Ils disent, non, bien assassé, soit fait par vos démons, ouais, leur gaz n'a pas bon, le. Alors, ça, c'est une petite chose qui est une comme maladie dans beaucoup de démons. Et une chose qui se mise à comprendre. Parfois, un démon, il peut causer. Il n'y a pas de pensée, il y a même une certaine petite chose. Il n'y a pas de pensée, il y a même une certaine petite chose. Lundi, alors il a dit mon de tal partir ou là les jeunes van mauvais poser, van mauvais doute, van quelque chose comme ça. Ben avec qui il est mauvais. Et ben déjà je vous donne un exemple. Donc on voit une jour dans la masjid, Rouraba masjid, Périmère. Alors il a haut. Après on va dire que bien on monte l'escalier, mais là où vous rentrez, on peut bien faire pas, on peut causer une cause. On peut causer un causé. On ne peut pas connaître moi que ça a monté. On peut connaître moi que ça a monté. Effectivement, ça a causé qui m'a peut causer là. Je lui ai appris directement là où ça va. Donc ça va et tu peux rentrer là. Mais ce qui m'a connaît moi, je lui ai rentré ou bien lui, au bébé, il causé là. On peut causer un route bas. On peut causer un route bas. On cause un causé. Et vrai même quand on a dit là, ça a causé là, quoi, quand il est sorti de la bouche, bah, là, il m'a monté en plein tapant. En plein temps. Alors, ça c'est une chose qui est arrivée comme coïncidence, parfois. Alors, vous ne pouvez pas un djimoun, il est loin de khutba, bin khutba bonir, bin masjid bonir. Prends vos enfants, bin bonir, prends madame vos enfants, bin bonir. Ça c'est une chose qui a l'effet d'interbia, il a l'effet d'interbia. Ça va nous qui, je vis en retard. Oui, imam, il veut dire qu'il enseigne imam, ok, il est visite dans l'air. Mais dans les c'est pas un jour, il y en a 10 imams. Il y en a 10 imams, il y en a 10 imams pour rentrer avec l'imam de rentrer. Non, ça a l'air imam, là, vous voyez, ça c'est pour lui, ça. C'est pour lui, quoi, dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son djouma, en tant qu'imam, je vais venir dans le masjid bonnet, imam, il vient dans les qui était, khutba, vous voyez, comment il vient, il vient au bimbab directement. Mais encore, lui, tout le monde, il recommande une djouma. Pindjouma Bodea amène vos enfants, costez-les avec ta mimbar, et là, vous ne pouvez pas ou bien le minoritaire, ou bien cacher de figuier, pas des colonnes. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas réaliser, nous pouvons tuer nos enfants avec une propre lame. Nous pouvons tuer digne de nos enfants avec une propre lame. Alors, si un djimon pas aéré, vient de travail, il pas gagner, permission, ou bien bloqué, ou bien pour n'importe quelle raison, il peut venir et qu'il ne croit pas, il finit de commencer. Il peut venir, il ne croit pas, il finit de commencer. Est-ce qu'il est assisé, il ne croit pas, ou bien il fait des rakats, et là il ne croit pas. Alors, quand vous êtes hadith,
بتقول البروفيت صلى الله عليه وسلم ان هي في دي ركان في دي ركان قالوا انا جا اوبيزي فيها لي انا جيا لي ريكوماندي فيها لي انا جا نومينا فيها اكوت با بيزا اكوتي مي سا لوبينيون لي فيب نجح الحديث كي نقول صحيح مسلم عقوتي جابر رضي الله عنه جيا جاء سليك بالغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب سليك الخطفاني بن يزوان ديجي هما كي للبوفيت صلى الله عليه وسلم بفيها خطبة نعم دا مسجد للبوفيت بفيها خطبة جمعة فجلس سليك الخطفاني بن عطري نسزي فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما وفي فيها خطبة يا غير سو خطبة يجا قول سليك ديبون في هذه ركعات في هذه فين قول سليك ديبون في هذه ركعات في هذه فين ثم قال أنسيت وبجية إذا جاء أحدكم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب وليركع ركعتين وليتجوز فيهما يقول صلى الله عليه وسلم جيا نقول كسنا بمجد من جمعة كي إمام بفيا خطبة على كل في هذه ركعات كل في لي في في لي في دوك سا سي الحديث كليا جيا كلي بوفيت صلى الله عليه وسلم فينا أو سين فيا تحية المسجد من بعد كي إمام بفيا خطبة جمعة منا الذي حديث أبي أفسونا من لبوفيت صلى الله عليه وسلم جيا إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين سلوكي لبين جمعة إمام في نسوتي يعني في نموت من بعد يبقى خطبة على ربما جاء في دي ركعات في دي ركعات كم إذا فتوى لغميسة والإتدية إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد قالوا بغيكما لخطبة سان دوبيران مسجد لي ابري عصر او بيان ابري فجر اون فجر اي ليفي سولا بين صلاة العصر سكاب تشوت سولا بين صلاة العصر في عصر انجبي انجبي دوكتا لي بوك بناتي سي انجبو الغدا صالي لا اللي فيها تحية المسجد باسكي سا صلاة لا سي با ان صلاة نافيل سا une salade qui vous vient pour une cause spécifique. Alors, l'important finit sa cause là, l'important finit sa raison là, pour faire sa salade là. Alors, c'est ça un petit peu concernant Tahiyyat al-Masjid. Il est là qu'on a une longue discussion. Est-ce que Tahiyyat al-Masjid est obligatoire ou bien non? Avec une certaine masse à la peau, ça, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah, Allah, Allah.